Est-ce que la Corée du Sud a joué un petit peu trop avec l'énergie d'Halloween, c'est-à-dire l'énergie de la mort? C'est une question que je me suis posée parce que c'est comme chelou tout ça de centaines de morts, alors que la Corée du Sud c'est calme, c'est tranquille, j'y suis allé, c'est un magnifique pays. Et là ça m'a choqué de voir tout ça de morts, je me suis dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc est-ce que... Je sais pas, est-ce que c'est le côté obscur qui s'est amusé? Est-ce que c'est un message en mode... En fait, on joue pas, tu vois, avec la mort, on joue pas avec les forces du bas astral, on joue pas avec les forces démoniaques satanes, je sais pas, parce qu'on se... quand même, durant Halloween, certains ils se déguisent en démons, en vampires, en entités. Donc je sais pas, est-ce que c'est lié? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est un message? Est-ce qu'il faut faire attention? Est-ce que c'est un hasard, une coïncidence? Voilà, je me suis posé cette question et ça m'a interpellé, ça m'a choqué parce que ça doit être vraiment choquant de voir des gens comme ça réanimés comme ça, c'est chaud. Moi je regarde le monde avec un œil énergétique, donc à chaque fois qu'il y a un événement je me dis ok, c'est les forces du côté obscur ou les forces du côté lumineux. Est-ce que c'est la matte, donc la lumière, ou est-ce que c'est il s'est fait le chaos? Voilà, je me suis posé cette réflexion. Prenez soin de vous, abonnez-vous.